pour l'épisode 2 de notre aventure modée sur le AT Launcher. Donc pour commencer, on va aller voir lui. What? C'est pas là-bas. L'île volante. Ah mais elle n'a pas encore chargé. On va aller voir l'île volante de Pet Animatory. J'ai du bois pour ça. On la retrouve déjà. Elle est là. Oh, ça va être chiant. Je sais pas comment je vais faire. Et je me demande vraiment comment je vais faire pour arriver là-haut. Ah, il est... on est enfin arrivé. Donc par contre, on va faire gaffe. Parce que voilà. Voilà pourquoi on va faire gaffe. Oh merde, on va crever. Oh merde. Bon on se retrouve quand je suis remonté en haut. Et puis là. Ok, on a ça. La piste, on s'en fout. Iron Nugget. Ça, on va prendre par contre. Mignon ça. Il doit être là les items. Putain, je vois mon nul. Oh, en plus, on récupère pas notre bouffe quand on meurt. Ah, oh, ça c'est chiant. Ça. Je sais pas c'est quel mode qui fait ça. Non, heureusement, il tombe. Ça c'est bien ça. Heureusement qu'il y a open block. Mon truc, je suis mort une deuxième fois. Bon, let's go. On a un pet au moins. Par contre, je sais pas ce qu'ils utilisent. Parce que les pets, ils utilisent de la bouffe pour fonctionner. Ils utilisent des certains items pour fonctionner. Je sais pas ce qu'ils utilisent. On va récupérer du bois. Voilà, donc, on se retrouve donc avec ça. Lui, il nous donne fire résistance avec du nether quartz. Oh la chatte. Oh putain la chatte, oh merde j'ai perdu l'épée. Bon pas grave, elle était pas puissante. Donc on va essayer de trouver un endroit bien pour s'installer. Surtout on va récupérer des pommes. Les pommes c'est la vie. Il y a la petite pomme. Putain, je sens qu'on va vite crever de faim ici. Seul truc qui pourrait m'aider à pas crever de faim. Ça serait de trouver une prairie. Dans la prairie, il y a des maisons qui sont en blocs de paille. Et on pourrait se faire un mas de pain comme ça. Ça serait bien de trouver une prairie, parce que là, on n'est pas tombé sur un super spawn. Hein. C'est moche, et en plus, bah, y a rien. En plus, il y a plein de gadou. J'aime pas la gadou. What, c'est quoi? Ah, c'est un chien. Ah oui, il y a ce truc aussi. Ça sert à rien, ça donne pas de bouffe. Ça donne 0,5 gigos. On va partir vers là-bas. Il y a un truc là, c'est quoi? Ah, il y a un gobelin. Bon, ellipse. Donc je trouve quelque chose d'intéressant. Oh, regardez ce que j'ai trouvé.
Un village PNJ fortifié. J'espère avoir un truc intéressant là-dedans. Déjà, il y a du blé. Oh, ça c'est bien ça. Déjà, il y a du blé à planter quand même. Voilà, on replante tout. À la mode de chez nous. Ensuite, on a quoi d'autre dans ce village? On a ça. Mais ça, je crois que ça donne. J'arrive pas à y manger ça. Je sais pas si on peut y manger ça. Oh, ça se mange. Récupérons ça. Oh, c'est bien ça. On peut récupérer du raisin. Bien ça. Pourquoi j'arrive pas à récupérer? Il faut la manip peut-être? Non, j'arrive pas à récupérer les gens, c'est normal. Et ils sont passés où mes cousins? N'importe quoi ce truc. Oula, il y a eu un gros freeze. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, les gens, il y a eu un gros freeze. Voilà, on a la bouffe. Un minimum de bouffe. Ensuite, ça. C'est quoi ça? Ok. Ici, on a ça. On va se faire du. Bah non, on a ça. Pas, on s'en fout. Il y a quoi d'autre dans ce village de mes deux? Là. Ah, il y a un truc à côté d'une forge. Il y a une forge, les gens. Yes! Y a quoi dans la forge? Electrical steel, ok, je vais prendre. On va prendre, ça on s'en fout. Et ça on va prendre aussi. Continuez vers là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal par ici. Moi je trouve que c'est pas mal. On va se mettre là. Hein. Ça l'aille un petit peu plus. C'est quoi ça? Ok, je connais pas. What the fuck? Ok, ce truc ça donne du poison. Ok, d'accord. Normal, normal. Tous les jours. On va essayer de tuer le cochon qui est là, en mode kamikaze pour avoir son chapeau. Putain, le connard, il a sauté pile au moment où j'ai tiré. Ouais, ça fait pas mal ce truc. Zéro attaque dommage. Ah ouais, d'accord. C'est inutile. Mec, ça lui fait rien, quoi. J'ai même pas de quoi tuer le mouton, le cochon. C'est totalement de l'arnaque, ce truc. Alors, soit on s'installe dans cette forêt, mais risque plus de lag. Soit. Dans celle-là. Là-bas, il y a une forêt automnale. Automnale. Je sais pas comment on dit. Automnale. Enfin, bref. C'est dangereux ça. Ouais. On va venir chercher parce que ça c'est trop bien. Pour les défenses surtout. Ah, et les petites bugs de chargement. Ah, pas grave. Donc je pense qu'on va s'asseoir là-dedans. Oh, il y a un palmier là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis on va s'installer là-dedans.
Où est-ce qu'on va s'installer? Il faudrait qu'on trouve un endroit parfait. L'endroit du rêve. Le paradis sur Terre. Pardon, sur Terre. Paradis Minecraftien plutôt. L'endroit parfait, c'est où? Où est-ce que c'est? Là, non, ouais, je vais m'installer là, tu vois. Pas mal. Quand on aura coupé les arbres, ce sera déjà plus beau. On va s'installer là. Donc voilà, on va se faire des coffres. Trois petits coffres. Et on va tout ranger dedans. Par contre, c'est la dèche, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout d'épée. C'est vraiment la dèche. Je pense qu'on va faire une épée en diam. Voilà. Ensuite, on va se faire une pioche. En quoi? Une pioche, on va faire un fouet. Se faire des fours, quatre petits fours. Et on a du charbon, je crois. Oui, on a du charbon. On va faire cuire, cuir, 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 cuir. Du silver, je pense. Je sais pas si on peut faire. Comme ça, comme ça. Utilité. Ok, silver, silver chest. Upgrade, boot. 20 pickaxe. Apparemment, on peut 20 pickaxe. Bon, on va utiliser ça. On va se faire un pickaxe en silver et en bas. Retourner miner. Oh merde. Voilà, bâtard. Bâtard. Putain de bâtard, ce squelette. Donc, go, on retourne miner. Ah oui, bon. Oh, il me fait flipper. Il fait crever. Il y en a un autre. Putain, il y a des zombies de partout. Qu'est-ce que toi, bâtard? Il y en a un autre, je crois. Putain, il y en a de partout. Ah, c'est trop chiant, les zombies. Tellement chiant. Putain, on a déjà plus de bouffe, les gens. C'est la dèche. C'est la dèche. Il me reste qu'un raisin. Ça va être short. Let's go. De partout. Ça c'est trop chiant, les silverfish. J'en ai marre. Bon, vous savez quoi? J'aime peut-être pas ça. Vous avez peut-être pas aimé ça, mais bon. Ah si, j'ai dit j'en avais. Coupure due à un imprévu, très chiant.
bon, pour les prochaines fois, je pense que je ferai des ellipses quand on sera un petit peu plus évolué. Je pense que je ferai des ellipses pour éliminer. Et là, vu que c'est le début, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Ça prend du temps pour rester. Bon, je sais que personne n'aime ça, mais on s'en fout. Je suis un thug. Moi, je mine en dessous de moi, je suis un thug. Oh! Lol, c'est quoi? C'est un quoi? Ok, c'est inutile. Putain, j'aime bien un bien plastique qui rajoute que des trucs inutiles. Qu'est-ce que ça? Oh putain! Il y a des silverfish de partout! C'est grave trop chiant! C'est tellement chiant les silverfish! On va trouver une grotte, ça serait bien. Parce que là, on n'a pas grand-chose. Ah! J'entends de l'eau. Ouais, on a une grotte. À la hauteur du James. Ça, c'est pas mal. Et on va miner le fer. Bon, je sais pas ce que vaut. Je ne sais absolument pas ce que vaut les pioches en silver. Oh, c'est trop cheaté ça. What the fuck? Oh, c'est bien ça. Là-dedans, c'est un donjon, c'est quoi? What the fuck? What the fuck? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Passé. Putain, j'arrive pas à m'en sortir. Bon, je vais me démerder, on se retrouve. Petit bâtard. Tesla tite. Récupérer, on récupère. Pour Blue Power. Je sais pas comment ça fonctionne, mais on verra bien. On fera des tests. J'irai chercher sur internet aussi. Ça, c'est pas trop mal les pioches en silver en fait. On peut faire des pioches en ça. On peut. Oh, trop cool. On va faire une pioche en ça. Let's go. To make a pioche. Je sais pas c'est quoi. Une Virtus Quartz. Alors, qu'est-ce qu'on peut miner avec ça? Ça c'est mieux un peu. Ça je crois qu'on peut pas. Non, on peut pas. Ça. On peut. Oh, du James. On peut? Yes, on peut miner du James avec ça. Ah, power. Oh, il y a plein de minerais par ici. Ok.
Ok, là on a ça, je sais pas encore trop à quoi ça va servir. On a ça, on a ça. Calmos, calme. Je vais crever. Je sais pas du tout ce que ça fait quand je meurs dans la lave. Ouais, elle apparaît ma tombe. Peut-être au-dessus de la lave. J'en sais rien, j'ai jamais fait expérience. Donc, on va aller. Il y a rien ici. Putain, c'est paumé ici, il y a rien. C'est de la grosse merde. Bien molle. Limite, yes, il nous faut ça. On va aller là-bas. Oui, il y a un petit passage secret là. J'aurais là trop cru que j'allais pas le voir. Bah en fait non, je suis revenu à l'autre endroit. Putain, un boulet. Mais qu'est-ce que je suis un boulet des fois? Même des fois, souvent même. Pourquoi m'avouer que je suis un gros boulet? Allez, chantons tous en chœur. Je suis un gros boulet. Un gros boulet, boulet. Y a quoi par ici? Putain, je suis déjà passé ici. De où je suis déjà passé ici? C'est prévisible. Ensuite, on a quoi là-bas? Ça lag un peu. Ça va, on se débrouille pas trop mal là. Prochaine fois, je pense, on n'aura pas besoin de miner. Ah, je suis bloqué. Wallou, wallou. Ici, on a du fer. Ici, on a encore du fer. Youpi. What? What the fuck? Il fait okay. D'accord, c'est quoi ça? D'où c'est du truc à Silverfish, j'ai testé. C'était pas du truc à Silverfish. Oh putain, ça me pète les quelque chose. Tout, je peux en mettre dedans moi. Putain, fait chier. Le mec qui a le moins de chance au monde. Est-il possible d'avoir si peu de chance que moi? Sincèrement, non, je crois pas. Oh putain. Les gens, ils ont pas de chance. Oh, yes, une idée. Venez, venez. Petit bâtard. Ça c'est bien. Ils ont. Oh putain, il y a un diams. Aujourd'hui, il y a un diams ici. Je vais me dire, c'est un diam piégé, c'est ça. Uti. Ensuite, on a quoi d'autre? Pas grand chose. Pas très grande cette mine. Cinnabar, je sais pas du tout à quoi ça sert.
crois que c'est pas très utile. On en a sur nous, non, on en a pas. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Alors, cinnabar, on fait quoi avec ça? Utilité. Quicksilver. Quicksilver. Et c'est quoi ça? Ouais, c'est pas très utile. Alors, on va faire un peu de ménage. Ça, tu pars. Tu viens. 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 Ménage en musique. Ah oui, youpi. Donc là, on a la couche 17, 17, 15, 15, 13. 12, parfait. On va éliminer là. En ligne droite. Je pense qu'on va s'installer, ouais, on va s'installer par là, c'est pas mal. Regardez sur la map en haut, c'est pas mal, il y a des palmiers. Bam 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 bam. Bon, je crois que la vidéo elle commence à s'éterniser là. Donc je vais faire une petite ellipse. J'arrête pas d'oublier ma table de craft. Donc on va se faire. Oh bah. Hein? Voilà. What the fair foot. Moi j'ai une pioche en diamant. Moi je baisse le game. Je me demande ça fait quoi le rayon de destruction si j'utilise Vine Miner avec la pioche en games. Ça va être énorme le rayon de destruction. Parce qu'en fait le rayon de destruction dépend de la destruction de l'item. Enfin le niveau de destruction de l'item. Oh, on peut récupérer ça. Genre et on peut faire quoi avec ça? Utilité. Utilité. Repeat chestplate. Infinite use. C'est trop utilisé ça. 2500 use. 12 mêlées de mage. Putain, c'est trop cheaté. Donc je vous dis, les joueurs, c'est trop cheaté, divine RPG. Le mode divine RPG est trop cheaté. D'accord, il est seul. Qu'est-ce que ça fout là du sable? Putain, mais pourquoi il y a du sable ici? What the fuck? Mais what? Il y a du sable dans une grotte. Ah là, il n'y en a plus. Putain, mais j'aime pas le gravier, c'est chiant. Mais en même temps, attendez, c'est pas si chiant que ça le gravier. Parce que voilà.
La sauvegarde, ça nous fait une truc naturel, une grotte naturelle. Et ça c'est bien. Ça, on peut trouver plus facilement des trucs. Une grotte naturelle. Ça, c'est efficace. Se passe pas grand-chose dans cette série. Chine. What the fuck? Putain, c'était un putain de gros filon. C'était un filon, ça. Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire un bisou. T'as pas le droit. Je fais mon chat, alors. Ouais, je vais venir, calme. En avoir aucun respect pour les silverfish. Ah, c'est bon, ça. Teslatite. C'est vraiment bizarre comme il y a que c'est repris de Tesla. Saphir. Passe pas grand chose. Ouais, je pense que je vais vous mettre juste des extraits de temps en temps. Quoi ça? Il y a de l'eau là? D'accord. C'est une eau de source, une source thermale. C'est une. Comment on appelle ça d'ailleurs? Une nappe phréatique. Let's go. Il n'y a pas de grotte là qui traîne là. Il me fait chier.
Ouais, changer de sens. Hihihi. Coup spécial. Une grotte artificielle. Ici, oh, on a du gras chronique. On en a deux même. Non, je crois qu'on y avait quatre. Oui, il y a plein de trucs là, c'est compacté en un. Tout ce qu'il y a, tous les minerais, puis tout, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est où le truc? Ah, là. On va repartir par là. C'est reparti pour un tour. Oh, il y a du rubis là-bas. Enfin, du rubis. Genre, on est dans un truc critique là. On n'a plus de bouffe. On va plus utiliser une mine d'or en plus. C'est la dèche. Ok, j'entends là. Oh, des silicones. Oui, là j'entends mon pire cauchemar, c'est vrai. Merde. Bon, ça, on va récupérer le stuff et ce sera la fin de la vidéo, je pense. Et c'est là. Et quoi ça? Guerre. C'est nul en plus. Je vous fais gang bang. C'est trop chiant. Bien sûr, je suis déjà mauvais. Ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois. Bye!